in section 3 and section 4, I will close the presentation by some conclusions and ideas for future work. And let's start. In the last decade, deep learning had emerged at a state of the art approach for many complex tasks, from computer vision, natural language processing to autopilot. Computer had beaten human at Go, at chess, at video game. Some complicated tasks that can hardly describe mathematically, such as how to capture the art style of an artist, has been achieved by AI. However, apart from natural language processing and some exceptions, many of the achievements are computer vision related. That is because neural networks, especially convolutional neural networks, are very effective in capturing the spatial and the topological pattern in data. In real life, there is another dimension which describes the evolution through time of the process called the temporal dimension, and data of this kind is called time series. Formally, a time series is a sequence of variables which are correlated in time. Time series modeling and analysis is the art of finding this correlation or to use this correlation to extract and exploit useful information in data. For example, in time series modeling, we may want to find the process that generates data. We may do predictions such as weather forecast. We may want to do simulations such as climate change simulation, or we may want to do reconstruction such as reconstructing the state of the ocean given satellite images. In time series analysis, we use the understanding of the dynamics of the series to do classification, segmentation, and anomaly detection. For example, given the trajectories of a vessel, could we tell what is the type of this vessel? What is this vessel doing? Or is there anything abnormal in this vessel behaviors? Unfortunately, modeling and analyzing time series are difficult. Let's take the Lorentz City tree as an example. First of all, we don't know the governing law of the system. Even when we know the governing law, we still need the true state of the system to forecast future. Unfortunately, most of the time, we only have noisy and bugger observations. Nevertheless, the system can also be chaotic, which means just a small difference in the initial condition can lead to two completely different trajectories. Classically, to handle the problem of noisy and bugger observations in time series, we use state-based models. State-based models suppose that the data generating process of it depends on a series of latent variables Z, and the likelihood of the observations can be factored into the transitions or the prior distribution, which describes the dynamics of Z, and the emission distribution, which describes the generating process of the observation given the latent state. A challenge when using state-based models is your inference distribution can be intractable. We had to impose some hypotheses to overcome this difficulty. For example, the Kalman filter suppose that the models are linear and Gaussian. The ensemble Kalman filter approximates distributions by an ensemble of bonds. The particle filters approximate the distribution by particles, and the hidden Markov models suppose that the latent state are discrete. In this presentation, I will give circle shape for stochastic elements, black arrows for the transition, red arrows for the emission distribution, and blue arrow for the inference distribution. Another approach for time series modeling and analysis is to use recurrent neural networks. This approach uses highly nonlinear functions such as LSTM or GRU to capture the long-term dependency data. To overcome the difficulties of intractable inference, recurrent neural networks use deterministic latent states. In this presentation, I will use diamond shapes for deterministic component and orange arrows for the recurrence. Because the latent state is deterministic, RNN are not effective in modeling stochastic time series. Recently, people have tried to combine the approaches together in order to inherit the strengths and to overcome the weaknesses of each approach. This combination uses variational inference as a catalyst
Various noise interference is a technique that you optimization to solve the problem of intractable bacterial distribution. And I call this combination variational deep learning for time series. And this is the topic of this thesis. Specifically, the contributions are as follows. First, I have systematized the use of variational deep learning for time series modeling and analysis. What are the background hypotheses of the construction and the different variants of variational deep learning for time series? I have then used this knowledge to propose a new framework for learning dynamical system from noisy and partial observation. Its answer to the questions, given noisy and partial observations, could we retrieve the governing laws of the process? A part of this work is in collaboration with the University of Washington. The third contribution is a model for maritime traffic surveillance. This part is the application of variational deep learning on a real-life passenger time series trajectory data of vessels. I would like to thank COS for their huge support in this work. Another contribution is audio surveillance for maritime acoustic data. I did this work during my 2 stints at the Institute for Big Data Analysis in Canada. However, because of the time limit, this part will be skipped in this presentation. So let's go to the theory part. I will present variational autoencoders, the fundamental elements of almost all probabilistic generative model. Then I will present how to apply the idea of variational autoencoders to time series models. Variational autoencoders are a powerful architecture. They are the bricks that build almost all probability deep learning models. Variational autoencoders are widely used in many complicated tasks such as image generation, image compression, image denoising. Depending on the application, we have several variants of variational autoencoders, but they all share the same recipe, and let's see what it is. Suppose that we want to draw a human's face. What we observe is the face of the person. Let's call it variable X. We can start by drawing directly every line on the face, or we can start by first defining, is it the face of a male or a female? What is the ratio between the nose and the face, which would facilitate the task? Also, variable, the gender, the ratio between the nose and the face are latent variable. In general, the hypothesis of latent variable models is the data generating process of the observed variable is depends on a set of unobserved variables Z, and the complex marginal distribution PE can be expressed by more tractable emission distribution PE given Z and prior distribution PZ. To calculate PE, we still need the bacterial distribution PZ given X, and that is where the problem comes. This distribution can be intractable. We had to approximate the bacterial distribution. There are broadly two classes of methods to approximate the bacterial distribution. The first one is the sampling technique, which can generate exact results if the sampling size is big enough. However, this approach is computationally expensive. In this thesis, we focus on the other approach, which does not generate the exact result, but scales very well. Specifically, we will focus on variational approach. For any arbitrary distribution Q, we can always marginalize the distribution P is as follows. Because the second term in this equation, the Kullback-Leibler divergence is always positive. The first term is always smaller than the log likelihood log P. Furthermore, all elements in the first term are tractable. Hence, variational inference suggests using these terms called the evident lower bounds at an approximation of the intractable log likelihood log P. We focus on a family of distribution that can parameterize by a set of parameter phi. The inference problem now become an optimization problem
where we want to find theta and phi that maximize the evident lower bound. If we parameterize the emission distribution and the inference distribution by two neural network, we have a variational autoencoder. There are many variants of variational autoencoder. I have made a summary of guidelines on how to build a variational autoencoder. First, we have to define what is the observed variable. And based on domain expertise, we define the prior on the latent variable. Then we define the emission and the inference distribution. The next step is to define a loss function. And finally, we choose a suitable optimization method. Then that is, we now have a variational autoencoder model. Variational autoencoders are powerful models. However, they were originally designed for static data, such as images. So in the following session, I will present how to apply this idea to time series. Let's start with state space model. By design, state space model can model stochastic processes. However, they rely on functions that have analytic solution. Hence, the range of processes that state-space models can cover is much more. We can tackle this problem by bringing neural networks to state-space model. For example, we can use multi-layer perception to parameterize the transition and the emission distribution. The inference distribution can be parameterized by a bidirectional LSTM. I call model of this kind deep state-space models. So that's a variational deep learning for state-space model. How about recurrent neural networks? For recurrent neural networks, we have sequential variational autoencoders. Besides, recurrent neural networks are highly nonlinear. However, their hidden states are deterministic. We can bring stochastic components to RNNs to increase the modeling capacity. For example, in variational recurrent neural networks, the next hidden state depends not only on the current deterministic hidden state and your observations, but also on an additional stochastic hidden variable. I call model of this kind sequential variational autoencoders. Then thirdly, we have variational deep learning for time series. Let's make a summary. In general, we have two families of variational deep learning for time series. The first one is deep state-space models, where we add neural network to state-space model. The second one is sequential variational autoencoder, where we add stochastic components to recurrent neural networks. The main difference here is in deep state-space model, there is an independent interpretable process of the hidden stochastic state. It does not depend on the observation, while in sequential variational autoencoders, they are treated together. We cannot separate the hidden state and the observation. Depending on the application, one approach may perform better than the other. For example, for dynamical system identification, the DSSMs are more suitable because the dynamics of the system can be modeled by the process of the hidden states. For maritime traffic analysis, we may want to use sequential variational autoencoders because we don't need to interpret the hidden state, we just want to model the observation. And let's see how it works in the application box. The first application is the identification of dynamical systems. Dynamical systems are a great way of describing physical models, biological systems, or anything that changes in time. They are the cause of many domains such as geoscience, fluid dynamics, aerodynamics. Mathematically, a dynamical system can be described by an ordinary differential equation, a stochastic differential equation, or a partial differential equations. Here in this presentation, we consider ordinary differential equations, ODEs only. An ODE has the form of dz on dt equal to fz,
where Z is the state of the system and F is a deterministic function called the dynamical model. If we know the dynamical model F, we can do a lot of things. For example, we can calculate the trajectory of the system given the initial condition. The continuous form of a dynamical system is called the flow. From the flow, we can obtain the discrete form called the map by integrating small f through time. Usually, this integral does not have analytic solutions. We had to approximate this integral using numerical methods, such as the Euler method or the Runge-Kutta method. Classically, the derivations of dynamical systems are based on some prior knowledge of the nature of the system. Nowadays, thanks to the development of sensor technology as well as advances in machine learning, data-driven approach appears very appealing for dynamical system identification. First, I will review some of the state-of-the-art methods, then go into detail of the proposed framework. The aim of dynamical system identification is to retrieve the flow or the map of the system given the observed data. In other words, from each 0, each 1, each 2, each 3, how can we find F? Recently, this topic has attracted a lot of attention. Among many others, we can cite the spark regression, Cindy, analog methods, and a lot of neural networks models. Under ideal condition, without noise and when the state of the system are completely observed, they work very well. However, in real life, it's rarely the case. When the observations are noisy and partial observation, none of the methods works. The reason is they apply the identification directly on the corrupted observation instead of on the true hidden state. Note that the dynamical model is a function of Z and not of X. The function is gapless and it was to F, XK may not exist. Under ideal condition, X and Z are identical, hence above-mentioned methods work. But when X and Z are different, they do not work anymore. When the observations are noisy and partial, in order to find the dynamical model F, we had to first find the state Z, and the identification problem becomes a joint problem. Reconstruction to find F and identification to find, the identification become a joint problem. Reconstruction to find Z and identification to find F. In the next session, I will present how to solve this problem. Specifically, I will introduce a model called DELDEN Data Assimilation Based ODE Network for the identification of dynamical systems from noisy and partial observations. First, let's take a look at the classical approach for dynamical systems, data assimilation. In data assimilation, we use prior knowledge to write a model that describes the process, but we do not apply this model directly on the observation. We acknowledge the fact that both the observation and the model contains errors and uncertainties. Hence, we use an assimilation scheme to incorporate the model and the observation to better describe the process. In the language of state-based models, the prior distribution is the transition distribution. The observations operator is the emission distribution, and the assimilation scheme is the inference distribution. In data assimilation, the prior observation and observation operator are known. So neural networks are good at identification and data assimilations are good at reconstruction. Why don't we combine them together? Motivated by this idea, we propose a new framework that bridges classical data assimilation and modern machine learning for the identification of dynamical system. We can frame a dynamical system identification problem as an assimilation problem with an unknown transition model.
When the system is highly nonlinear, we need a powerful model to describe it. The question is, which model should I use? Should I use deep state space model or should I use variational autoencoders? Recall that in a deep state space model, there is an independent interpretable process of the hidden space, and hence the SSM is more suitable for this task. Let's apply five steps that I introduced before. Here, X is the observation and Z is the two states of the system. The prior distribution is the dynamics that we have to identify. To improve the robustness of this model, instead of using one step ahead prediction, like in normal state space model, in the training phase, we randomly choose n step ahead. This is possible because for the transition model, we use ODE setting, which means we can integrate the model to any time step that we want. Usually for this task, we know the observation model. The next step is to define the inference model. We employed two strategies, a classical ensemble Kalman smoother and an LSTM-based model, we call it Delden. Delden is a deep state space model that we specifically designed for dynamical system identification. Note that we can interpret our framework as a wrapper of dynamical system identification module, where we add a data estimation module to reconstruct the two states. We can use any state of the art method for the identification module, but here we consider neural networks method. We use different loss functions and different optimization techniques. In total, we have four settings for the proposed framework. BNN and KS can be considered as classes data simulation methods, where we replace the unknown dynamical model by a neural network, while Delden's our full neural network setting based on LSTM. To evaluate the performance of the learned distribution, we check the short-term prediction error, the construction error, and the capacity of the learned model to capture the long-term topology. We tested our model on the Lorentz City 3, the Lorentz 96, and the stochastic Lorentz City 3 systems. The results are evaluated using four criteria: the prediction error after four time step, the first time when the prediction error reaches half of the standard deviation of the signal, the reconstruction error, and the capacity to keep the long-term topology of the system indicated by the first Lyapunov exponent. Whenever it is possible, we compare the performance of our framework with that of state-of-the-art approach. And so in this table, our model outperforms state-of-the-art methods in all those criteria. For example, when the noise level is 30%, is 33%, the reconstruction errors of our model is 40 times better than analog data simulation, 8 times better than spark regression CINDI, and 2 times better than state-of-the-art neural networks. Interestingly, we find that the full neural network implementation of the proposed framework gives better reconstruction results as well as better ability to keep the long-term topology of the system. We believe that it is related to the capacity of capturing long-term correlation in data of LSTM. Visually, the attractor generated by our model had a butterfly form of the Lorentz City 3 systems. Let's take a look at the state reconstructed by the inference module. They are very close to the two states. Applying the identification on those states will surely give better results than learning directly from the corrupted observation. We also tested the proposed framework on a Bakshi observation, with a missing rate of 87.5%. The models can still be able to reconstruct the butterfly form if the noise level is not too high.
ML models can also work on high-dimensional systems, for example, the Lorentz 96 system. So in conclusion, I have presented an application of variational deep learning, here deep state space model, to the problem of dynamical systems identification. From the results of this work, we can see that neural network architecture bring new means to for the parameterization of both the dynamical models and the inference scheme. Because we use a probabilistic formulation, the proposed framework can capture stochasticity both in the observation and in the dynamics. Actually, we have a version of this framework for stochastic differential equation. And that is the first application. We use deep state space model in this application. The other approach, sequential variational autoencoders, will be exploited in the second application, maritime traffic anomaly detection using AIS data. The automatic identification system is a communication system designed for vessels. The original purpose of AIS is for collision avoidance. However, thanks to its richness of information, AIS has quickly become one of the most important sort of information in maritime traffic. Roughly speaking, from AIS data, we can get the ID of the vessel, the current position, the current speed of the crowd, the current course of the crowd, and other pieces of information about the vessel and the trip. From this information, we may want to do a lot of things. We may want to reconstruct or to predict vessel trajectory. We may want to identify maritime routes. We may want to identify the types of vessel. And most importantly, we may want to detect anomalies in vessel behavior. As see, for safety, for efficiency, for optimized fuel consumption, or because of law and regulation, vessel follows some specific pattern. And when a vessel deviates from the buttons, it usually relates to either dangerous, suspicious, or illegal activity. And AIS data has a great potential for anomaly detection. However, this is a difficult task because the amount of the AIS data is massive. We cannot process AIS data manually. No Graph 2 datasets are available, which prevents us from using supervised methods. AIS data are awash with noise. We cannot and can be sampled irregularly. They can also be spoofed. Last but not least, vessel behaviors are geographically heterogeneous. One behavior can be normal in one zone, but abnormal in other zones. For example, it is totally normal for a vessel to slow down when it goes to the port of rest, but when it slows down on a maritime route, it is abnormal. Currently, the dominant methods for unsupervised AIS anomaly detection is DBSCAN-based methods. The methods use DBSCAN to create a graph that represents maritime traffic. If not in the graph is where the vessel enter or exit the reason of entries, or when they change their course. The methods further suppose that along an edge, the behaviors of vessel are similar and detect any vessel that deviates from so common behaviors and abnormal. There are plenty of variants of this method, but they all face the same problems. First, they can apply to only vessels that have route-related behaviors. In other words, cargo or tanker vessel. There are a large amount of vessels that do not follow maritime route, and DBSCAN-based method cannot monitor the vessel. Second, the graph created by DBSCAN is sensitive to hyperparameters. Two different sets of hyperparameters can generate two different graphs. To overcome those difficulties, we propose a new model that does not use DBSCAN. This model is called GeoTechNet.
To the best of our knowledge, this is the first unsupervised deep learning-based model for maritime traffic anomaly detection using AIS data. GeoTrainNet is the anomaly detection module of a bigger framework called Multitask AIS, which is designed for multitask in maritime traffic surveillance. But for example, trajectory reconstruction, vessel type identification. But in this presentation, we focus only on the anomaly detection module, GeoTrainNet. The idea of GeoTrainNet is very general. In the learning phase, we use the data in your training set to build a distribution that describes vessel behavior. And in the test phase, any trajectory that does not follow the learned distribution will be considered as abnormal. To make this idea work, we must have a model that is powerful enough and variational deep learning naturally appear as a good candidate. As introduced before, the first step to build a variational deep learning model is to define the observed variable. The natural form of the observed variable is the real value vector of AIS messages, the latitude, longitude, HOZ, and COZ. Everyone uses this form. However, we argue that this is not a good representation because it doesn't reveal a specific characteristic of trajectory data, the route-related characteristic. Hence, we introduced a new representation called the four-hot vector. This is the concatenation of the one hot vector of each attribute in AIS meshes. Why do we need this representation? Let's take a look at this example. Assume that there is a maritime route, and at this intersection, 50% of vessels in the training set turn left, and the other 50% turn right, but none of them go straight ahead. So, if a vessel is currently at the intersection, it's the next time step, it could be at position 1 or position 2, but it should never be at position 3. If we use real value representations, usually the emission distribution is a conditional Gaussian distribution. With Gaussian distribution, we cannot enforce this property. Position 3 is close to the center of the Gaussian. Hence, the model will place a high probability at position 3. On the other hand, with four-hot vector representation, we can use Bernoulli distribution, and the model places high probability only at position 1 and position 2. That is one of our major contributions. We use the procedure presented in section 2 to build a probability distribution that represents a trajectory in the training set because we don't need to separate the transition and the latent space. At the transition in the latent space and the observation, we use sequential variational autoencoders. But let's take a look at the trajectory in the training set. There are some zones where there are lots of vessels, and vessels in those zones have similar behavior. The network can describe very well vessel behaviors in those zones. There are other zones, either because we don't have enough data or because vessel behaviors are too complicated, the network are not representative in those zones. This is shown in this figure. Along the maritime route, the average log likelihood is high. In other zones, the average log likelihood is low. In the test phase, if a vessel had low probability in those zones, we don't know whether because the trajectory is abnormal or because the network does not work well in those zones. To solve this problem, we propose a geospatial a contrario detector. Specifically, we divide the regions of interest into small cells. And in the test phase, we compare the probability of AIS message with those in the same cell only. We use the NFA, the number of false alarm, as the indicator of normality.
It is a sum of the binomial tail of every possible segment in the of the trajectory. Here, P is the probability that one message is anomaly in this tail. A more common event always has lower NFI than a less common event. We tested our model on a dataset received by an AIS station located in Yushan. There are more than 4.2 million AIS messages in the training set. The separation scheme highly regulated by maritime laws in this area, and CFS know very well vessel behavior in this region. Because no graph tool is available, we cannot do quantitative evaluation like precision recall. We had to evaluate the performance of the model qualitatively. So we checked the types of the anomalies that the model can detect. We compare them with that of state-of-the-art models. And because we don't have enough domain expertise to validate the detection, we sent the list of detected trajectory to CFS and AIS experts. They manually inspect every trajectory using AIS data, weather condition, sea condition, and vessel log. The results are shown in this figure. DB scan by methods detects trajectory that follow maritime route only. If we don't use local equatorial detector, the model detects a lot of trajectories in low density region as abnormal because the learned distribution is not representative in those regions. On the other hand, the results of geotechnics is very relevant. Let's take a look at some examples. This vessel makes a double U-turn. It is abnormal that a cargo vessel steams to sea and then turns back to the departing port. One could consider that this voyage may involve a transshipment. However, COS figured out that this vessel had been repaired in the port of Brest and properly performed a test trip before going back to the departing port. Here is a vessel that suspiciously slowing down at the entrance of the English Channel. COS figured out that on the night of 25th March, there was a strong wind blowing from the opposite direction, and this vessel is affected. Geotechnics detected two similar anomalies on the same night, which is very interesting because geotechnics does not use weather condition as an input. Overall, 7 out of 18 trajectories detected by geotechnics are two positive. The four detection is this trajectory. This trajectory is actually a normal trajectory. However, because we don't have enough similar trajectories in the training set, the model falls leading fluxes at abnormal. In general, geotechnics can detect abnormal speed, abnormal turns, or unusual paths. For example, here are abnormal turns detected by geotechnics. So this is geotechnics are an application of variational deep learning for maritime traffic surveillance. In conclusion, we have proposed the first unsupervised deep learning model for maritime traffic anomaly detection using AIS data called geotechnics. The model can run in real time and has the potential to be scaled up to full production. Geotechnics has been tested in MAS, which is a great, wonderful, and cutting-edge big data platform of CAS for maritime awareness. The model can run in real time and is consistent. We can apply geotechnics on different zones with a very little change in configuration. Actually, CUS had conducted some trials themselves. Here is an example of true transshipment detected by geotechnics. This is example is conducted by CUS, not us. And that are the main points of my thesis.
In conclusion, staying up via variation of deep learning methods for time series can be categorized into two classes, deep state Bayes model and sequential variation of twin cultures. Each class is suitable for some specific problem, and so in the application to dynamic system identification and to maritime traffic anomaly detection. This work has led to a set of new open questions for future investigation. For example, for the theory bus, we can investigate how to bus from vector state to matrix state. Here, we use variation of inference, and an important point in variation of inference is which variation of lower bound should we use. For dynamic system identification, we can investigate how to enforce physical constraints in neural network. Another point is that the term Bayesian means that the data are sampled irregularly, but we suppose that at some point we observe all elements of the state. When some elements are never observed, we have to use delay embedding or augmented state. For maritime traffic surveillance, we had to incorporate GeoTrackNet with AIS on-off detector. Another direction to explore is a new representation for AIS. And that is what I want to present today. For those who are not here, I would like to thank Said, to thank Lucas and Nura and many others for the enlightenment discussions and useful advice. I did the dynamic ecosystem part with Said. This thesis is supported by Britain by RNL. We benefit computational resources from Azure and Xinzhe. Here is a list of references. And Sadra, thank you very much for the attention. Merci Duong, merci pour la présentation. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions. Je vais donner la parole au rapporteur qui est Jean-François Giovanel. Merci. Merci Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier. Par remercier votre entourage, votre encadrement pour m'avoir proposé de participer à ce jury. J'ai beaucoup apprécié de prendre part, de regarder de près ce travail, mais surtout les remerciements vont pour vous, à la fois pour le document écrit que vous avez produit et puis votre exposé. Merci beaucoup. Je l'ai trouvé tout à fait bien construit, tout à fait pédagogique. Si je rentre un peu dans les détails, voilà, j'ai trouvé que voilà, les transparents eux-mêmes, ils étaient illustratifs à la fois sur des aspects plus génériques ou plus liés aux applications, et puis certains qui rentraient un peu plus dans le détail sur comment les choses sont faites, comment sont les modèles, etc. Il me manquait un ou deux détails, justement, ce sera l'objet de mes questions, mais donc j'ai trouvé que votre présentation était tout à fait bien faite, et je vous en remercie. Des questions, oui, je survole un peu mes notes. Je crois que j'ai bien suivi les idées que vous présentez. Du reste, c'est ce que je disais quand je disais que votre exposé était bien clair. Je ne vais pas avoir beaucoup de questions, mais je me pose des questions sur la notion d'incertitude, un peu dans ce contexte-là, de l'incertitude qui peut être liée à des données qui sont bruitées, qui sont erronées, qui sont erratiques, des incertitudes qui peuvent être des incertitudes ou des erreurs ou des inadéquations qui peuvent être liées au choix des critères, des fonctions de perte, des fonctions de coût qu'on va minimiser ou maximiser selon le cas, des incertitudes qui peuvent être liées aussi ou des erreurs qui peuvent être liées aux algorithmes eux-mêmes. Les algorithmes eux-mêmes qui peuvent être globaux ou pas sur des critères, qui peuvent être multimodaux ou pas,
Voilà, j'aimerais qu'on discute de tout ça, même si je sais que c'est une question un peu délicate, un peu biscornue, justement, peut-être. Et puis, l'impact que ça a sur les incertitudes des conclusions qu'on en tire, hein, ou les positions, ou les décisions qu'on prend derrière. C'est un peu là que je me pose des questions. Probablement aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas complètement suivi. Dans ce sens-là, peut-être on peut regarder le transparent numéro 16, où vous introduisez l'idée d'approche variationnelle, avec la borne inférieure, avec, voilà, je vais minimiser, maximiser une vraisemblance, minimiser une distance Q-back, et puis il y a Est-ce que vous pouvez... confirmer ce que je vais dire là. C'est-à-dire que X, évidemment, c'est ce que vous observez. Z, c'est votre variable cachée, la variable latente, naturellement. J'aimerais que vous me redisiez précisément qu'est-ce qui se trouve dans le paramètre θ. Et puis, sur le transparent un peu plus loin, vous avez un paramètre θ et un paramètre φ pour une densité d'émission et puis pour une densité d'inférence. Voilà. Ok, donc peut-être sur le transparent que vous voulez, repréciser qu'est-ce que vous mettez dans θ, qu'est-ce que vous mettez dans φ. Sur le transparent d'avant, repréciser qu'est-ce qui est maximisé, qu'est-ce qui est minimisé, et puis quelles sont les performances ou les propriétés qu'on peut attendre. Oui, tout d'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre commentaire et pour les questions. D'abord, je voudrais clarifier la notion d'incertitude. Ici, j'assume que ça, c'est dans la partie DSM ou dans toute la partie. Mais il y a deux niveaux de l'incertitude que je voudrais considérer dans ma thèse. C'est le niveau dans l'incertitude dans l'observation. Parce que l'observation peut être bruitée ou être incertaine bayésienne si l'observation est observée bayésiennement, il faut utiliser quelques méthodes pour comme imputation, interpolation, et donc il rajoute aussi de l'incertitude dans l'observation. L'incertitude dans le modèle, il y a deux. Je vais classifier deux types de l'incertitude dans le modèle. Tout d'abord, c'est parce que la nature du modèle est stochastique. Ici, on considère ODE et donc la fonction de transition est déterministe. Mais il y a d'autres types de process qui est stochastique et donc on ne peut pas connaître exactement l'état caché. Et un autre type de l'incertitude dans le process, c'est l'incertitude liée à l'erreur du modèle. Par exemple, on ne connaît pas le vrai process et donc on écrit ou on apprend une fonction qui décrit le process. Il y a de l'erreur dans ce procès aussi, et ça, c'est une autre l'incertitude. L'autre l'incertitude, c'est parce qu'on ne connaît pas exactement l'observation. L'observation peut être bruitée, et donc, comme on en fait l'état à partir du modèle à l'inférence, il y a l'incertitude liée à le résultat de cette inférence aussi. Ça, c'est pour la question de l'incertitude. Et ça, dans cette équation, l'objectif pour la modélisation de séquences temporelles, c'est pour la modélisation probabilistique de séries temporelles, c'est de maximiser le vraisemblance. Ici, on veut maximiser le vraisemblance de l'observation log-based. Malheureusement, on ne peut pas calculer le vraisemblance là. Et donc, on doit approximer ces vraisemblances. Ici, on considère l'approche variationnelle. Et donc, on introduit une distribution Q qui est une approximation de la distribution à bas théorie. Ici, on va
on va ce qu'on va maximiser, c'est le thème là, le evident law about ENBO. C'est on va utiliser ce thème comme une approximation de le frais simplant. Et la troisième question, c'est quoi phi et c'est quoi theta? Phi est ici, je considère le modèle paramétrique. Et donc, phi et theta, c'est le paramètre qui présente mon modèle. Par exemple, ici, j'utilise un réseau de neurones. Et donc, phi et theta sont les bords de ce réseau. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Phi et theta sont bien les paramètres du réseau. Oui. Il y a aussi peut-être des erreurs possibles ou des fluctuations selon le réseau qu'on choisit. Mais si on choisit une architecture, on va avoir un résultat. Si on choisit une autre architecture, on a un autre résultat. Donc, quelque part, il y a une dépendance du résultat au type d'architecture choisi. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je ne parle pas de ça. Si on revient au transparent d'avant, donc on veut maximiser cette fonction-là par rapport à θ. Par rapport à θ, et à l'intérieur de θ, il y a les paramètres du réseau. Peut-être d'autres paramètres aussi, un niveau de bruit, quelque chose, mais il y a essentiellement les paramètres du réseau. Oui. Donc, je viens aussi à ce que vous écrivez dans le manuscrit à propos de l'algorithme même. Oui, d'accord. Quelque part, quand on développe l'algorithme même, on a le même genre d'équation, le même genre de difficulté, au sens où ben, les variables cachées ne sont pas observées, donc on est obligé de faire quelque chose de l'ordre de l'intégration de ces variables cachées, moyenne de ces variables cachées, ou l'échantillonnage pour certaines méthodes de ces variables cachées. Oui. Un point quand même qui me paraît qui devra être vérifié, ou vous dites dans le manuscrit qu'avec ces méthodes EM, la convergence est rapide et garantie. Oui, rapide, je suis bâché parce que dans la base c'est rapide. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux types d'optimisation basés sur l'optimisation stochastique. Et donc, c'est relativement rapide, je crois. Mais ralenti, c'est sûr, si on utilise EM. Si on utilise EM, ouais. Voilà, moi, c'est pas mon niveau de connaissance de l'algorithme EM. Hein. L'algorithme EM, en général, il est garanti, convergé vers un point stationnaire de la vraisemblance, hein, qui peut être un maximum ou un autre, ou qui peut même être un point sel, c'est-à-dire un point stationnaire instable. Et vous écrivez qu'il y a une garantie et que les solutions sont stables. Voilà, donc je connais pas spécifiquement la référence de 1999 de Garamani, en qui j'ai toute confiance. Je connais pas spécifiquement cette référence, mais il y a fort à parier que s'il affirme des résultats comme ça, ils sont dans un cas particulier qui est probablement pas le vôtre avec les dépendances qui apparaissent dans les réseaux de neurones. Hein. Oui, d'accord. Donc les résultats de convergence de base. Ils sont sur la famille exponentielle, mais ils sont pas si puissants que ce que vous dites. Et par ailleurs, en général, la vraisemblance, elle peut avoir plusieurs modes. Oui. Et donc, c'est aussi un peu ma question, c'est est-ce qu'on a des idées dans les modèles que vous manipulez? Est-ce que vous avez des idées au moins vague ou empirique ou sur la structure de cette vraisemblance? Est-ce que vous avez des informations sur ses propriétés de cette vraisemblance? De mon modèle? Ouais. Oui, tout d'abord, je vous remercie sur la commentaire sur la conversion de l'algorithme EM. Merci beaucoup. Je suis honnête, je ne connais pas que c'est bas stable.
Et pour mon algorithme, en fait, j'utilise pas EMSA parce que EMSA, dans le thème E, il faut trouver le expectation. Et le thème M, il faut maximiser par rapport à cette espérance. Ici, parce que moi, j'utilise réseau de neurones et j'utilise l'optimisation stochastique pour optimiser mon réseau. Je ne peux pas faire le maximisation exacte. Je fais juste que une et donc mon modèle s'appelle que EM like parce que ça mimique ou ça approximer l'algorithme EM au sens d'intégrité E et d'intégrité M. Mais pour chaque état, je n'ai pas de solution exacte comme dans le tab EM, j'utilisais de solution analytique. Tout d'abord, c'est et donc, pour mon modèle, la conversion stable, ce n'est pas garanti. Et pour que. C'est pas garanti que la conversion est stable dans le résultat de mon modèle. Merci pour ces éléments de réponse. Je précise que je suis pas particulièrement un promoteur des algorithmes EM ou SEM ou stochastiques du tout. Juste, j'essaie d'approfondir un peu cette question sur les propriétés de l'algorithme. Plus exactement, il y a une première question sur les propriétés de la vraisemblance elle-même, de la fonction de θ, comment est-ce qu'elle est. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile à caractériser, hein, j'ai pas de problème. Mais on peut peut-être espérer avoir dans des cas particuliers ou par rapport à certains paramètres des informations sur la structure de la vraisemblance et par ailleurs des propriétés de l'algorithme d'optimisation qui va maximiser, donc pas cette vraisemblance, mais cette approximation de vraisemblance. Et il n'y a pas de souci, si on ne peut pas maximiser la vraisemblance, on va maximiser une approximation de la vraisemblance, c'est bien naturel. Mais voilà, peut-être élaborer un peu plus ou réfléchir sur la structure de la vraisemblance d'une part et puis les propriétés de l'algorithme d'autre part. Et il est bien possible que les propriétés que vous ayez avec votre algorithme, elles soient similaires à celles de l'algorithme même, d'optimum local ou de point stationnaire. Il est bien possible que votre algorithme ait les mêmes propriétés hein, dans votre cas, mais peut-être ça vaut le coup de regarder un peu plus près les propriétés qu'on a. Je vous en prie si vous voulez faire un commentaire. Ah oui, et donc je comprends que c'est quoi c'est quoi l'étape E et l'étape M dans mon modèle ou... En fait, il y a deux questions. Une question qui enfin, il y a deux aspects. Oui. J'ai plus de questions maintenant, mais il y a deux aspects. C'est une question sur la vraisemblance elle-même, oui. The likelihood function, oui. And its properties, et une question sur les propriétés de l'algorithme d'optimisation. Convergence of the optimization algorithm. C'est deux questions séparées que ça me paraît important de les mentionner ou d'y réfléchir ou d'élaborer un petit peu à ce sujet-là. D'accord. Merci beaucoup. Et alors du coup, ensuite, peut-être on peut venir, c'est le transparent 51, je crois. Oui, où vous parlez de justement des incertitudes. 51. On voit quelque chose, je suppose. Voilà, c'est des écarts-types. Oui. Hein. Vous n'avez pas eu le temps de détailler ça pendant votre exposé. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant détailler un peu comment vous obtenez ces écarts-types, quels sont les différents écarts-types? Il y a le P, il y a le Q, il y a la dynamique, il y a la prédiction. Et puis on voit, voilà, il y a la prédiction, il y a l'extrapolation. Vous pouvez commenter un peu plus ces incertitudes et d'où elles viennent, comment elles sont calculées? Et donc, ici, pour
Donc, le problème de l'identification des systèmes dynamiques, on suppose qu'on connaît le modèle d'observation ici, et donc on connaît la distribution puis la distribution d'émission. En fait, dans notre modèle, on connaît pas exactement bien la distribution exacte, mais on connaît l'ordre de grandeur de l'écart type du modèle d'observation. Ça, c'est pour la distribution d'observation. Pour le modèle d'inférence et pour la transition, comme j'ai présenté, nous avons utilisé des réseaux de neurones et donc on utilise une réseau de neurones, une multilayer perceptron pour approximer le cas type du modèle d'inférence et du modèle de transition. Ok. Mais ces quantités-là, donc, elles résultent donc de l'identification du système dynamique. Cette identification, elle repose sur un modèle avec les paramètres θ et les paramètres φ, oui. Qui est basé sur un réseau de neurones. Oui. C'est ça? Oui. Et puis, une fois que vous avez, sur le training set, vous avez identifié les paramètres du réseau. Oui. Ces paramètres-là, ils sont fixés. Oui. Voilà. Et puis, vous les utilisez pour faire quelque chose, une prédiction, par exemple. Oui. Et vous déduisez de ça une incertitude. Oui. L'incertitude, elle est calculée pour les paramètres du réseau fixé. Oui. Mais ces paramètres du réseau, quand vous les avez calculés, vous avez utilisé une base d'apprentissage, et là aussi, il y a des incertitudes. Oui. C'est-à-dire que dans les paramètres θ, il y a des incertitudes. Et vous les ignorez quand vous calculez les incertitudes à la fin. Comme si le paramètre θ, il était OK et pas incertain. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y aurait, ou comment faire pour avoir une idée d'une incertitude plus globale? Qui tiendrait compte de l'incertitude sur θ et puis une incertitude sur z sachant x et θ, quelque part. Tout d'abord, je suis d'accord avec vous qu'il y a une incertitude injectée dans θ à cause de l'incertitude dans l'observation. Mais je crois que c'est le problème de tout le type de modèle d'apprentissage parce que oui. Modèle d'apprentissage, oui, tout à fait. Oui. C'est un problème commun. Oui. Et maintenant, à ce moment, j'ai aucune idée comment on peut résoudre ce problème, comment on peut séparer l'incertitude de l'observation. C'est un problème commun, vous ouais. Faites bien de le signaler, mais c'est un problème commun aussi avec des approches dans lesquelles il n'y a pas de réseau de neurones. J'ai un modèle physique d'un oscillateur de quelque chose, j'ai des données, je vais estimer le paramètre, dans le paramètre il y a des incertitudes, et puis je vais me servir de ce modèle pour faire une prédiction ou faire quelque chose. On peut considérer que le modèle qu'on a identifié, il est OK, ou essayer d'inclure l'incertitude sur le paramètre qu'on a identifié pour les prédictions futures. Donc ce problème-là, il est à la fois présent quand les paramètres sont des paramètres d'un réseau de neurones, mais aussi quand les paramètres sont des paramètres de modèles physiques sans réseau de neurones. Oui. Et donc c'est aussi une question... Oui. Une question importante de garder en tête que ces incertitudes qui s'accumulent, parfois on en oublie une partie et dans les conclusions ou les décisions qu'on prend à la fin, elles tiennent compte que d'une partie de l'incertitude. Et j'en arrive à mon dernier point dans cet esprit-là, sur les incertitudes, quand on commence à s'intéresser aux données aberrantes.
quand on commence à s'intéresser à la détection d'anomalies, quand on commence à s'intéresser aux événements rares. Évidemment, quand on est confronté à ces questions-là, de détection d'anomalies, d'événements rares, de données aberrantes, elles sont plus rares, elles apparaissent moins souvent, elles sont plus parcimonieuses, elles sont plus. Et donc, je suppose, mais là, je m'avance un peu, je suppose que là aussi, les incertitudes, elles sont plus importantes. Elles sont plus importantes parce que. Elles sont plus importantes à deux titres. Parce que quand on procède à la phase d'apprentissage, ben, ces données rares, elles sont plus rares. Donc, l'information qu'on transfère d'une base d'apprentissage dans les paramètres θ à propos des événements rares, elle est fragile, cette information. Et quand on prend une décision sur un événement rare, voilà, on est en train de manipuler des probabilités implicitement ou explicitement qui sont très faibles. Et donc, ça peut aussi présenter des risques ou des difficultés. Et surtout qu'on ne voit pas toutes les incertitudes qu'il y a et qu'on prenne des décisions erronées à cause de ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, pour tout le type de modèle de détection anomalie, en utilisant le modèle d'appris comme ça, il faut utiliser des connaissances a priori pour faire la validation a posteriori, comme on fait avec CES. Et de plus, pour dire très net, en fait, ben, c'est bien le modèle, comme j'ai indiqué dans le manuscrit, je présente pas dans le slide. J'ai très net est utilisé comme une modèle assistant au lieu d'un modèle automatique. Et donc, j'ai très net, il va plus que il y a quelque chose anormal et il est intéressé à regarder à ce type, ces trajectoires, sauf que comment dire, c'est pas vraiment parce qu'on fait, on n'y a pas de retour, mais sauf que le niveau de fault detection et le niveau de false alarm est acceptable. OK. Et il y a peut-être l'erreur dans la détection de GeoThreatNet, mais maintenant, on n'a rien pour la surveillance maritime. S'il y a un modèle, il fait, par exemple, il fait 5 suggestions et il y a 90 suggestions sont relevantes, sont pertinentes, sont intéressées. Même il y a dit Fon Salem pour moi, je crois que c'est OK. Oui, Mais vous dites il c'est y a un. toujours l'incertitude liée à l'apprentissage Ouais, dans le vous dites modèle. finalement c'est quelque chose qui propose une aide, pas qui prend une décision. Oui, c'est Et ça. donc, on peut. D'accord. OK. Non, mais c'est bon, puisque j'avais par avance noté effectivement une question ou un point sur les données aberrantes et les événements rares qui étaient dans vos perspectives, mais du coup on en a parlé, ça c'est bon pour moi. Merci Merci pour beaucoup. vos réponses, et puis je rends la parole à notre président qui va se la donner, je suppose. Merci. Merci Jean-François. Et donc, on va continuer. Écoutez, je vais prendre la liste qui apparaît. Donc, je vais donner la parole à Cyril Rey. Cyril. C'est bon? Oui, c'est bon, pardon D'accord. d'activer le micro. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole en second. Alors, je voudrais, comme cela a été dit précédemment, également remercier l'encadrement et puis bien évidemment, notre candidat à la thèse pour cette invitation au jury. Voilà, Merci donc beaucoup. c'est un plaisir, d'autant plus qu'on a eu l'occasion de se croiser dans le cadre au moins deux conférences, si je me rappelle bien. Voilà, donc je suis content d'avoir un suivi jusqu'à la fin de ce travail et puis de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui.
Alors, j'ai bien aimé la démarche du travail. Alors, je me suis principalement axé, vous vous en doutez, sur la deuxième partie, chapitres 5, 6 et 7, qui correspondent davantage à mon activité de recherche. Et donc, j'ai trouvé la démarche vraiment très intéressante. Et puis, elle est par ailleurs d'actualité, avec beaucoup de travaux dans la littérature. Alors, j'ai trouvé le rapport également assez bien construit, en fait. C'était très agréable à lire. Pour moi, qui ne suis pas un grand expert de deep learning, j'arrive à comprendre ce qui est évoqué. Et l'ensemble est globalement bien amené. On comprend bien le positionnement ou la démarche, en tout cas, de la contribution. Et puis les résultats qui sont présentés. Voilà. Alors j'avais ceci étant dit, donc j'avais effectivement un certain nombre de remarques, de commentaires et puis aussi de questions sur le travail. Alors je fais c'est peut-être plus une remarque, mais je veux bien une réponse quand même. Juste sur la partie 2, puis après je reviendrai sur les parties suivantes autour des données maritimes et de l'AIS. Donc, sur la section 2, le chapitre 2, ce qui m'a un petit peu perturbé, alors l'explication est relativement claire, c'est incrémental, on est bien amené jusqu'à l'objectif final. Ce qui m'a un petit peu perturbé, n'étant pas un complet spécialiste du domaine, c'est le positionnement par rapport à la littérature, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ça démarre très vite sur le chapitre 2, et on a l'impression qu'on est tout de suite emmené vers une solution qui a été décidée. Et la question que je me suis posée, mais comment du coup est positionnée la proposition de solution par rapport à la littérature? Comment le choix a été fait? Est-ce qu'on avait d'autres possibilités ou est-ce que c'était inévitable? Oui, tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Oui, on a vu au moins deux fois, je crois, dans deux conférences. Je voudrais poser juste une petite question. Votre question, c'est sur la partie AIS ou sur le chapitre 2. Chapitre 2. Qui conditionne la proposition de recherche qui est appliquée ensuite dans les différents chapitres. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous que je vais un peu vite. Je m'intéresse à des séries temporelles et donc je me suis posé la question, je dis alors est-ce qu'on peut faire autrement ou différemment? Est-ce que c'est absolument la solution qui est la meilleure ou d'autres étaient possibles? Il manque pour moi, voyez, un petit paragraphe dans le chapitre 2 pour essayer d'expliquer ou de motiver ce choix-là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur cela? Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous que je vais un peu vite dans la présentation mais dans le manuscrit aussi. En fait, pour la modélisation de séries temporelles, il y a deux approches. L'approche variationnelle, comme je fais ici, et une autre approche, c'est l'approche de l'échantillonnaire en utilisant du type Monte Carlo, par exemple. Et je crois que professeur Patrick Gallinari et professeur Jean-François Giovillani sont des experts dans ces approches. Mais parce que je n'ai pas assez de temps, il n'y a pas assez d'espace, et donc je ne présente pas cette approche dans le manuscrit ni dans la présentation. Et pour l'approche variationnelle, on a plusieurs types. En fait, ce que je présente, c'est l'idée générale. Il y a plusieurs variantes, plusieurs types de l'approximation qu'on peut utiliser. Mais ici, parce qu'il y a trop de variants, et donc ici, et ça dépend de l'application aussi. Ici, j'ai choisi quelques approches qui sont assez générales et assez populaires pour présenter dans le manuscrit. D'accord, merci.
Alors, je vais poursuivre avec les parties sur les, que je connais un petit peu mieux, donc autour du traitement des données AIS. Alors, c'était très intéressant, hein, l'application de la méthode sur l'utilisation de ces données. J'ai noté quelques références. Je vais poursuivre juste d'abord avec un commentaire qui est un petit peu similaire à celui que je viens de faire. En fait, donc, si je comprends bien, ces deux parties là se sont basées sur en fait les deux articles qui ont été proposés en 2018 et 2020. Oui. Et alors du coup, je poursuis avec un peu la même remarque, c'est-à-dire que on se retrouve forcément aussi confronté à la même difficulté, c'est-à-dire de compréhension du positionnement du travail par rapport à la littérature. Parce que tout le chapitre 6, en fait, c'est effectivement, j'aurais pu écrire la même biblio, c'est très bien référencé, il n'y a pas de problème, c'est les bonnes références, mais en 2018. Et en fait, l'essentiel des travaux qui ont été conduits sur l'utilisation de réseaux de neurones, notamment dans le cadre de l'analyse de données AIS, a été conduite sur la période 2019-2020. Et du coup, il n'y a pas ce rattrapage-là de biblio, même si quelques références sont glissées ou là. Et donc, j'aimerais bien avoir, du coup, c'est l'avantage de se voir là aujourd'hui, j'aimerais bien avoir ce complément par rapport à l'état et le positionnement qu'il y avait dans ce papier-là. Avec les dernières avancées, les derniers travaux dans le domaine, comment tu as vécu ces évolutions? Comment tu te compares? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, en fait, je crois à mon connaissance maintenant pour la détection non supervisée, nous sommes les seuls qui utilisent le réseau de neurones tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser le réseau de neurones pour AIS, mais pour autres tâches comme pour la prédiction de trajectoire, pour la détection de bêches ou pour la détection d'anomalies aussi, mais là c'est la détection supervisée. Je crois que vous êtes expert et vous connaissez très bien qu'on ne peut pas utiliser. C'est bien encouragé d'utiliser le type d'apprentissage supervisé pour la détection d'anomalies parce que c'est très geo-dependent. Et donc, à mon connaissance, jusqu'à maintenant, seulement nous qui utilisons des réseaux de neurones non supervisés pour ces tâches. Oui. Et ça, c'est par vérifié. Par contre, sur la notion de prédiction de trajectoire, détection de type, etc., ça, on le trouve. Hein, oui, il y a beaucoup de réseaux de neurones pour la prédiction de trajectoire maintenant. Il y a plein, en équipe au Norvège, il y a beaucoup d'équipes en Chine qui font la prédiction de trajectoire avec une réseau de neurones. À notre connaissance, nous sommes le seul, et ça a vérifié dans deux papiers de review en 2020 aussi, qui dit que nous sommes le seul qui utilise le réseau de neurones pour la détection d'anomalies non supervisées. D'accord, merci. J'avais noté plusieurs remarques ou questions. J'aimerais bien qu'on revienne sur un point qui est important, c'est le modèle d'architecture, parce que c'est un petit peu rapide dans le rapport. Alors, je pense avoir compris, mais j'aimerais bien qu'on en rediscute. Oui. et avoir confirmation sur ces régimes cachés. En fait, dans le rapport est évoqué le fait que ce n'est pas des clusters de messages. D'accord? Non, c'est pas le cluster. Il n'est pas dit explicitement ce que c'est. Alors, on peut le comprendre comme étant peut-être une distribution de probabilité de présence. On peut le comprendre comme des agrégats, comme on retrouve en base de données multidimensionnelles. C'est quelque chose qu'on applique assez régulièrement. Ouais. Et donc, je pensais à la figure 6.1, l'architecture dans laquelle on voit ces régimes cachés réguliers et puis les quatre items. Je ne sais pas quelle planche c'était. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors donc la question du coup, c'est pour être complètement certain, c'est ces régimes cachés,
Donc, ils sont construits sur des fenêtres temporelles de 10 minutes, c'est ça? Oui. Et du coup, il me manque l'algorithme derrière ou comment c'est construit? En fait, c'est un régime. En fait, j'ai utilisé VRNN pour construire ce régime. Et ce régime-là, c'est la concaténation de Z et de H. Et je vais présenter Z et H dans ce slide. Ici, c'est la figure de, en VRNN avec X, c'est l'observation, c'est le message AIS. Et ça, la concaténation de Z et H sont notre régime. A, c'est l'état caché déterministe de LSTM. Et Z, c'est le variable stochastique ajouté dans le VRNN. Et donc, il n'y a pas d'interprétation de c'est quoi présente Z et H. Je ne fais pas de clustering parce que je crois que quand on fait le clustering, on perd quelques informations. Par exemple, le DBSCAN, c'est une méthode qui utilise le clustering. Mais quand on fait le DBSCAN, on ne veut pas suivre le jaune. Les zones comme le bord de près ou les zones là, on ne suit que la route maritime. Alors, justement, l'essentiel de l'évaluation ou de la comparaison est faite par rapport à DBSCAN avec ce fameux papier qu'on connaît tous de Juliana en 2013. Oui. Bon, il y a d'autres approches, on l'a évoqué, en fait, je crois que c'était mentionné dans le rapport, la difficulté à identifier les waypoints. Oui. Bon, par contre, après, il y a un certain nombre de méthodes alternatives, tout en restant sur du DBSCAN. Donc, on peut penser à du HDBSCAN qui va être beaucoup plus performant, par exemple, en termes de calcul. Oui. Ou alors du STDBSCAN qui, lui, sera beaucoup moins... sensible ou en tout cas qui sera beaucoup plus pertinent sur l'identification des waypoints. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé ou vous êtes vraiment resté sur cette comparaison avec Thread? Non, en fait, j'ai utilisé Thread seulement et donc pour la construire de waypoint, j'ai utilisé le paramètre proposé par mes collègues à l'université de Dalhousie. Au Canada, il y a un collègue qui travaille sur ça et il me propose des paramètres pour construire le REP. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a plusieurs variantes, plusieurs alternatives et plusieurs improvements de Thread. Mais si une méthode est basée sur DBSCAN, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours un problème, c'est que ces méthodes suivent seulement la route maritime. Il ne suit pas la trajectoire, il ne suit pas la route maritime. Par exemple, ici, dans cette zone, il y a je crois que j'ai une figure de... Dans le manuscrit, je présente une figure de toutes les trajectoires qui suivent la route maritime. C'est 300% de trajectoire dans ce bas de données. D'accord. Oui, et pour n'importe quel type de méthode, pour n'importe quel performant qui est utilisé, il y a toujours un problème lié à des DBSCAN comme ça. D'accord. Alors, quand on regarde la section, enfin, le chapitre 2, on se dit, ah ben, ça va être intéressant parce que il va essayer de proposer une approche qui va être capable de travailler sur les données brutes avec qui sont brutées, qui sont irrégulières. Oui. Et en fait, au final, c'est pas ça. Donc, je reviens sur le point précédent avec ces régimes cachés réguliers. Du coup, ma question, c'est au final, on n'a pas d'alternative par rapport à ça. Ou est-ce que vous avez identifié des méthodes qui pourraient marcher sans avoir cette phase intermédiaire? En fait, quand je dis qu'il va travailler sur la donnée échantillonnée irrégulière,
En fait, les messages sont échantillonnés irrégulièrement, mais les états cassés sont toujours réguliers parce que s'il n'y a pas, parce que j'ai utilisé une mutation pour faire une série d'états cassés réguliers. C'est une approche. Il y a autre approche, c'est en fait l'interpolation tout bête. Et il y a, maintenant, il y a des réseaux de neurones continus, c'est-à-dire on ne fait pas de cryptérisation dans les questions de réseaux de neurones. Il y a beaucoup de types de réseaux de neurones comme ça dans l'année dernière, cette année, comme NeuroODE, NeuroSDE, on va utiliser ce type de réseaux de neurones aussi. J'avais ce genre de choses en arrière-pensée parce qu'en fait, je pensais il y a la notion de flux de données qui est évoquée à plusieurs reprises dans le rapport, mais en fait, vous avez travaillé avec des batchs, avec des datasets. Et, oui. Et du coup, je me demandais comment est-ce que tout cela pourrait être transposé. Là, en fait, on a une fenêtre temporelle qui est continue, incrémentale. Hein. Oui. On pourrait essayer de considérer une fenêtre temporelle glissante, sliding window oui. en anglais. Oui. Et avoir une évaluation continue sur des flux de données et qui par ailleurs, c'est aussi une autre question qui pourrait être multiple. Et comment est-ce qu'on pourrait gérer ça, des flux de données multiples qui vont amener sur le modèle des redondances et aussi des compléments, des informations que l'on a dans un flux mais pas dans l'autre. Oui, en fait, il y a une version online de GeoTrainNet, mais ce n'est pas moi qui fais cette version. Il y a un collègue à IndieaRain qui a fait cette version. Mm-hmm. Oui, et pour la version online, parce que on fait une glissante, une fenêtre glissante et on va sauvegarder seulement les talents dans cette fenêtre glissante. Par exemple, pour chaque message IS arrivé, on va grouper ce message IS dans la trajectoire en utilisant le MMSI. Et on va stocker une fenêtre en une journée de cette message. Et le calcul, c'est ici, on utilise LSTM. Et le calcul de LSTM, c'est incrémental. Pour le réseau, on va sauvegarder l'état latent Z. Et donc, pour ça que MSAIS est arrivé, on va utiliser H et Z pour calculer l'état suivant de façon online. D'accord. Ouais. C'est bien, c'est intéressant. J'ai plein d'autres questions, mais je vais peut-être pas tout poser. Je voulais quand même revenir sur la notion de dataset. Aussi à cheval avec le chapitre 7, c'est-à-dire bon, on voit les images. C'est toujours un petit peu difficile d'interpréter, de comprendre la validité des résultats parce que manque. Bon, vous avez donné un argument, manque bien évidemment d'éléments quantitatifs pour essayer de mesurer la qualité du résultat. Et alors, je me suis posé une question, vous allez me confirmer si j'ai bien compris ou pas, par rapport à la densité en fait et la nature des données. Là, c'est des données satellites? Non, c'est la donnée terrestre. Terrestre. Parce que oui. quand on regarde, alors c'est sans doute vrai aussi sur des données satellites, mais dans une mesure un peu différente. Quand on a des données qui sont issues d'un récepteur terrestre, donc on a en fait un volume de données dans un rayon de 70-80 km qui sont relativement denses, oui. Et puis la densité s'étiole avec la distance. Et donc je me suis posé un petit peu la question, c'est est-ce que ça va avoir un impact? Alors j'ai cru comprendre que en fait le fait d'avoir ces régimes cachés compensait le fait que il y avait possiblement une densité variable sur l'ensemble du jeu de données. Oui, en fait, je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème lié à dataset. Par exemple, ici, au début, nous avons utilisé le AIS terrestre seulement, et donc il y a un problème avec cette trajectoire-là. Oui. Oui.
Ces trajectoires-là sont de fausses alarmes. Mais quand nous avons retesté notre modèle sur le même zone avec les données AIS, plus les données satellites, il n'y a pas de problème avec cette trajectoire aussi parce que les données maintenant sont plus représentatives. Et pour le cas de, pour l'autre question de densité de données, quel est l'effet de la densité de données? On utilise de la détection géospatiale à contrario. Et donc, dans la zone où on n'a pas assez de données, le modèle ne fonctionne pas, le coût d'apprentissage ne fonctionne pas. Et donc, le log vraisemblant est toujours fait dans cette zone. Et donc, le modèle il va détecter rien dans la zone. On va dire qu'il va ignorer cette zone. Où il n'y a pas assez de données. Alors, cette planche, elle est intéressante en la voyant tout à l'heure. Elle n'est pas dans le rapport. Je me suis posé la question de. Donc, bon, alors, les notions de cellules sont mentionnées. Hein. Oui. Alors, j'avais des questions justement par rapport au choix des paramètres, les tailles de cellules, etc. Et en revoyant du coup cette image, j'ai pensé aux travaux récents. Sur l'indexation spatiale de ces données avec des représentations différentes. Et en particulier, ce qui émerge dans la littérature actuellement pour le traitement des données maritimes, c'est le modèle d'indexation de Huber, donc le modèle H3, et qui intègre en fait des grilles hexagonales hiérarchiques. Et je me posais la question si on pourrait éventuellement changer ces cellules par des grilles hexagonales et puis jouer justement sur de l'apprentissage avec des niveaux de hiérarchie différents. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une direction à exploiter. Mais maintenant, je n'ai pas assez de temps pour le faire. Dans la conclusion, j'ai proposé ça. Non, c'est pas ça. C'est où Oui, c'est, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une bonne direction à exploiter de nouvelles représentations pour le trajectoire AIS. Mais je n'ai pas fait dans la thèse. D'accord. Oui, je m'en doute. C'était juste une question pour percevoir votre opinion sur la question. Bon, j'avais encore beaucoup d'autres choses, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter de vive voix une autre fois. Je donne deux remarques pour conclure. Manquer un petit peu pour moi, ça a été très vite dans une des planches là. Il manquait un petit peu. Moi, je suis informatique, donc j'aurais bien aimé avoir un petit peu d'éléments quantitatifs sur. J'ai vu que les codes étaient disponibles, donc je ferai des tests, mais j'aurais bien aimé avoir des éléments un peu quantitatifs sur les temps de traitement en fonction du volume des données. Si vous avez une réponse rapide, je suis preneur. Notre collègue à l'INDIARN a fait une évaluation quantitative là et le modèle peut marcher dans le temps réel. Pour la zone considérée dans la thèse, on a besoin seulement de 2 GPU pour ça. D'accord. Ouais. Sur quel volume de données? Sur cette zone-là, sur les zones-là, d'accord. Ouais. Ouais. C'est pas à l'échelle de. 3x3 degrés. D'accord. Donc, bon, j'avais des remarques encore après sur le choix des paramètres, les tailles de cellules, etc. Je les ai un peu évoquées, mais bon, vous comprenez que c'est toujours un problème dans ce genre de travail. Oui. Et du coup, j'en arrive juste à une petite conclusion. Du coup, on a un petit peu de mal à la fin, du coup, de comprendre, parce qu'il n'y a pas non plus d'éléments quantitatifs, la qualité des résultats. Et alors, à la toute fin, vous évoquez un certain nombre. Ça paraît presque anodin comme ça, mais en fait, je trouve que c'est des éléments qui sont intéressants dans le rapport. C'est voilà, il y a une phrase, un modèle entraîné sur voilà, on aurait pu discuter de la saisonnalité par ailleurs sur une saison risque de ne pas convenir à une autre saison.
Oui. Il y a une autre phrase que j'avais notée, si le système ne maintient pas les pistes assez longtemps, alors les anomalies, etc. Et alors, si vous faites une petite révision du rapport, moi, je vous invite à mettre ça en tant que comment dire, restitution de la compréhension que l'on peut avoir de l'analyse que vous avez faite, à défaut d'avoir des éléments quantitatifs, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez apprises que l'on peut savoir maintenant avec le travail qui a été fait. Et je pense que c'est bien de les mettre en valeur en conclusion et pas juste comme une petite phrase anodine sous le label d'une figure. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Ouais. Merci encore une fois pour l'invitation et puis la présentation et vos réponses aux questions. Oui, merci beaucoup pour votre remarque. La parole. Merci Cyril. Donc on va continuer. Je vais donner la parole maintenant à Guillaume Adjut. Guillaume. Oui, juste le temps de. Oui, bien sûr. La caméra. Je fais ça juste pour être sûr que tout le monde entend. Je suis bien là. Tout d'abord, merci donc à l'encadrement de cette thèse et à Ronan Fablet, à l'IMT en général. Au-delà de la participation à ce jury, cette thèse était l'occasion de collaborations scientifiques intéressantes et fructueuses sur les sujets qui intéressent plus spécifiquement CLS sur ce thème, qui sont la détection de comportements dits anormaux sur la donnée AIS. Donc, merci encore pour ce sujet, cette opportunité, pardon, et également merci à Diong, en fait, qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'il est passé par CLS avant de commencer cette thèse. Donc merci à Diong pour son enthousiasme sur ce sujet, sa force de travail et son ouverture d'esprit sur ces sujets et les collaborations techniques sur ces points. J'ai quelques questions. Alors, je ne vais pas en poser beaucoup puisque certaines ont déjà été posées par mes prédécesseurs. Moi, j'ai une question qui est plutôt relative à de la terminologie, en fait, sur la détection de comportements dits anormaux. En fait, s'agit-il vraiment de comportements anormaux ou bien s'agit-il vraiment d'autre chose? Est-ce qu'une autre formulation n'aurait pas été plus appropriée? Oui. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle a été déjà posé précédemment, mais il s'agit de la gestion du flux de données et la gestion des interruptions de réception. Donc, peut-être qu'il aurait mérité un petit peu plus de détails sur ce point durant la présentation. Donc, si tu peux commenter, Diong. Oui. Et enfin, peut-être un point, alors c'est plus une remarque qu'une question, donc sur la densité de données par rapport aux réceptions côtières, mais également par rapport aux réceptions satellitaires, quelles sont les possibilités de GeoTrackNet de fonctionner lorsque les données sont plus rares, et d'autre part, de fonctionner lorsque le trafic n'est pas structuré. Ou peu structuré. Oui, un trafic. C'est tout. Je peux commencer. Oui. D'abord, merci beaucoup à toi, Guillaume, et merci beaucoup à CLS aussi. Donc, la notion où je suis d'accord avec toi ou avec vous, avec toi, que la notion anomalie ici, c'est bien une vraie notion. En fait, il y a une définition de c'est quoi anomalie dans le manuscrit. Ici, je définis toutes les trajectoires qui sont différentes que l'autre feedback de trajectoire dans le bain d'apprentissage comme anormaux. Et donc, la notion vraie, c'est la détection de comportements statistiques comment rare, mais parce que c'est long, c'est pas représenté, c'est pas très très populaire, donc j'ai utilisé la détection d'anomalies parce que le modèle il détecte toutes les trajectoires qui sont statistiques comment rares comme anormaux.
D'abord, la deuxième question, c'est le problème de flux de données. Oui, il y a deux niveaux d'interception de flux de données. Le premier niveau, c'est le problème de couverture de AES. S'il n'y a pas de zone, on ne peut pas recevoir le message AES. Et donc, le réseau de neurones ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de données là. Et donc, il va ignorer toutes les zones là. Il ne détecte rien dans ces zones. S'il y a une trajectoire dans une zone avec une bonne couverture de AES, mais ce navire coupe le transpondeur AES, si la durée est inférieure à 4 heures, on va utiliser de imputation pour que re-échantillonner le message AES pour ce navire. Évidemment, avec cette solution, le vrai semblant de cette trajectoire est plus faible. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Et de plus, pour moi, c'est anormal qu'un navire coupe ce transpondeur AES dans une zone qu'on a de bonne couverture AES. Il y a quelque chose avec ce navire et on peut détecter ce navire comme on peut détecter ce comportement comme un comportement anormal aussi. La troisième question, est-ce que c'est ESMAP pour une zone plus rare? Il faut faire des expériences pour voir quel niveau de densité de données AES sont suffisants pour que je traite net. Et de plus, il y a une corrélation entre la densité et la structure de trafic maritime. Je peux dire que si il n'y a pas beaucoup de messages AES, je traite net ne fonctionne pas. Pour une zone moins structurée, on a fait une test ensemble sur la zone Aruba. Mais je vais de retour de ces LS et donc je sais pas si la détection sont pertinentes ou pas. Comme j'ai dit, je suis un doctorant en machine learning, je ne suis pas un expert AIS. En mer de résultats, je peux vous montrer ici, mais je ne peux pas dire que c'est bon résultat, c'est bien bon. Ça, c'est la détection sur la zone Aruba. Je très net, il détecte le trajectoire qui fait une serre, qui fait une triple U-turn, comme ça, qui fait une truie de tournant bizarre, comme ça. Mais moi, je ne peux pas dire que oui, le résultat est bon ou non. Oui, donc, enfin, là, on revient en fait à la question précédente par rapport à qu'est-ce qui est effectivement anormal. Est-ce qu'il faut parler de trajectoires anormales? Oui. En fait, il s'agit de trajectoires qui sont inhabituelles, oui. Ou potentiellement inhabituelles. Et du coup, la question, c'est est-ce que ces trajectoires inhabituelles sont effectivement intéressantes pour une application de surveillance de zone ou de comportement? Et la réponse est, pour moi, ça dépend. Ouais. Enfin, ça dépend typiquement de ce en quoi l'utilisateur est intéressé. Ça dépend de la zone. Ça dépend d'énormément de choses. Et pour le caractériser, il faut effectivement avoir des vérités terrain relativement fiables et connaître plus spécifiquement la navigation sur la zone. Et typiquement, sur le cas d'Aruba, le trafic est effectivement peu structuré. Il y a quelques routes entre des ports dans les environs, mais avec beaucoup de liberté pour tous les navires de se déplacer d'un endroit à un autre. Et il est assez compliqué de dire telle trajectoire est d'une part inhabituelle et c'est effectivement le genre de choses qu'on veut mettre en avant. Ouais. Tu as justement
lors d'une question précédente, où un des membres du jury a mentionné que tu indiquais que la méthode n'est pas destinée à prendre des décisions, mais en fait à relever des situations qui peuvent ensuite entraîner des décisions réalisées par soit un autre système, soit un analyste, un opérateur, enfin un expert du domaine entraîné. Et c'est tout à fait juste. Voilà. Ouais, merci. Voilà, donc moi je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie, Duong. Merci beaucoup. Très bien, ben merci. Merci Guillaume. Donc je vais donner la parole à Angélique maintenant, Angélique Drémaud. Bonjour, merci Monsieur le Président. Je vais commencer par m'associer au compliment des autres membres du jury, Duong. Merci pour cette merci. Présentation que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. Avec des résultats supplémentaires. Hein. J'ai vu des petites choses en plus que tu avais rajoutées par rapport à ton manuscrit, des illustrations. Donc, vraiment merci pour cette présentation. Merci. Merci aussi pour ton manuscrit que j'ai lu avec grand plaisir. Je vais m'attacher moi plus à faire des remarques sur la partie 2. Parce que bon, moi je suis davantage du côté d'estimation bayésienne, donc plutôt des approximations variationnelles bayésiennes, donc voilà, ça me parle un petit peu plus. Et du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce chapitre-là. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le fond, je voudrais juste quand même indiquer deux petites choses sur la forme du manuscrit. Je trouve que, alors, comme beaucoup de papiers ou de manuscrits en deep learning, il y a beaucoup d'acronymes et on peut rapidement être perdu dans les différentes appellations. Et je pense que ton manuscrit aurait à gagner avec un petit glossaire, hein, une liste d'acronymes que tu mettrais en début de manuscrit auquel le lecteur pourra se référencer en cas de doute. Ensuite, toujours un petit peu sur la forme du manuscrit, je vais t'avouer que j'ai eu quelques difficultés de compréhension, parfois, dues à des petits manquements de rigueur. Par exemple, je vais t'en pointer quelques-unes à l'équation 4.14. Je vais dessus aussi. J'ai bugué un petit moment en essayant de comprendre si c'était vraiment une marginale. On avait là et j'ai fini par conclure que non, c'était pas une marginale, mais c'était bien une conditionnelle. Mais voilà, il y avait des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu perturbée. D'ailleurs, il faudrait que tu me confirmes que j'ai bien compris cet aspect-là. Donc l'équation 4.14. Et puis je vais continuer comme ça. Je vais continuer juste sur la forme. Et pareil, à l'équation 4.17, il y a des sommes sur T, alors que les paramètres, les termes qui suivent ne dépendent pas de T. Bon, c'est des petites choses qui m'ont perturbée. Et puis il y a Jean-François Giovanelli qui a aussi fait cette remarque que moi aussi j'allais te poser. J'ai eu du mal aussi à comprendre au fur et à mesure de la lecture. Ce que signifiait, ce que recouvraient les paramètres θ et φ. Pour moi, c'était au début très clair, et puis finalement, dans Dowden, ça m'a semblé un petit peu plus flou. Donc voilà, tu as répondu à cette question. Voilà, je pense que ça mérite un petit peu plus de rigueur à part certains endroits. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour la remarque. Alors, sur le fond, je vais avoir donc, comme je te disais, quelques petites questions sur la partie 2. Alors, j'ai page 5, tu parles de end-to-end learning et tu proposes une définition. Tu dis que end-to-end learning means to minimize the number of end engineering steps and to relax as much as possible weak hypotheses, etc. Et après, tu dis, donc page 55, que Dowden is the first end-to-end learning RNN-based stochastic model introduced, etc. Et je me demandais, du coup, cette notion de end-to-end learning, elle me paraît pour moi assez floue, en fait. C'est une appellation, en tout cas, qui ne me parle pas beaucoup.
Et du coup, je me demandais comment est-ce que, parce que tu présentes, hein, surtout page 56 dans la figure 4.2, tu présentes Dowden et puis à côté, tu présentes deux autres architectures. Et je me demandais comment est-ce que ces architectures, est-ce que ces architectures-là peuvent être qualifiées de end-to-end learning? Est-ce que vraiment, enfin, comment est-ce qu'on... sur quelle base est-ce qu'on peut dire que Dowden est le premier modèle stochastique basé RNN, end-to-end learning, quoi. Question très naïve. Hein. Oui, tout d'abord, je vous remercie pour votre remarque. Oui, je suis désolé pour la faute dans le manuscrit. Je vais le corriger. Et pour la question de la notion de end-to-end learning, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une notion assez floue. Chacun a une définition différente de ce qu'est end-to-end learning. Pour moi, la définition de end-to-end learning, c'est une modèle qu'on met la donnée dedans, mais le résultat, on met de données à l'input, on met de résultats à l'input. Et il y a moins de Thibauté, moins de l'état d'ingénierie à la main que possible. Et je crois que j'ai présenté ça dans la partie surveillante dans la partie surveillante acoustique, je crois. D'accord. Oui. Parce que j'ai utilisé directement le waveform, la donnée acoustique, et donc il n'y a pas beaucoup de pre-processing. Je convertis pas à spectrogramme, pas du tout. Et donc je dis que mon modèle est un modèle end-to-end pour la surveillance acoustique. J'ai oublié si je dis. J'ai dit Dowden est un modèle end-to-end. Oui, page 55. Oui. Ici, dans Dowden, ici, je veux dire que end-to-end ici, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup end-to-end dans Dowden, end-to-end, j'ai utilisé end-to-end dans le sens de Thibauté. Il n'y a pas beaucoup de Thibauté comme, par exemple, si on utilise ensemble de Kanban ou tout le type de filtre de Kanban, il y a de Thibauté, de linéaire et cosine, de la processus de transition et de dimension. De plus, il faut combiner le modèle d'observation. Dans certains cas, il faut combiner le modèle d'observation. Dowden, on peut utiliser Dowden avec un modèle d'observation en commun. D'accord. Et en fait, la convergence sont diagonales ou la convergence sont constantes. Il n'y a pas de ces hypothèses. Et donc, je dis que c'est end-to-end. Oui, mais je comprends. Ouais. Bon, après, quelque part, on pourrait te targuer qu'à partir du moment où tu fais le choix d'un réseau de neurones, ouais, potentiels, tu vas quelque part introduire un biais et donc la main de l'utilisateur sur ton modèle que tu construis. Ouais. Mais je comprends l'idée effectivement de laisser vivre en fait le modèle et de le laisser s'adapter aux données. Ouais. J'ai une question qui t'a déjà été posée d'une certaine façon, mais là je vais te la reposer sur un autre angle d'attaque. Donc je suis toujours page 55 avec ces paramètres HK. Qui sont liés à ton approximation variationnelle. Ouais. Alors, comme je suis un peu formatée par mes recherches, j'ai en tête des algorithmes de type somme produit par propagation de message, ce genre de choses. Ouais. Tu vas mettre à jour les moments d'ordre 1, 2
de distribution qui vont approcher la distribution que tu recherches. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment est-ce qu'on pouvait interpréter ces paramètres H. Alors, tu as répondu tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment d'interprétation. Est-ce que quand même, avec les mises à jour qui sont réalisées dans les équations 4-12, 4-13, tu as cherché à faire des comparaisons avec ce qui pouvait se passer justement sur des algorithmes de type propagation de messages ou tu n'as pas trop regardé? En fait, ici, c'est le cassé de LSTM. Il n'y a pas de l'interprétation formelle de AS, c'est quoi AS, mais je sais pas, je connais pas la propagation de messages, mais moi je vais essayer de trouver une application. Ici on va considérer comme la question 4.12 ou 4.13, c'est la mise à jour de l'état cassé de LSTM. On peut dire que ça, il y a une fonction sur AS, et donc on va mettre à jour AS par rapport à l'observation qu'on observe. Mm-hmm. C'est ça que donc, ouais. On okay. va utiliser ce qu'on observe pour mettre à jour l'état caché. Ouais, je comprends. Ça me fait vraiment penser à des messages entrants, sortants. Enfin bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Alors dans Dowden, si j'ai bien compris le fonctionnement de l'algorithme. Dowden réalise une estimation conjointe de la distribution a priori sur les états cachés et de la distribution a posteriori. Et c'est là où on va clairement faire une approximation de la distribution. Est-ce que tu as tenté de décorréler les deux étapes pour justement voir quelle était la plus-value de chacune de ces étapes par rapport à l'état de l'art? Par exemple, je vais revenir sur les approximations variationnelles. Je serais curieuse en fait de voir comment est-ce que rien qu'au niveau de l'approximation que tu fais de ta distribution a posteriori, comment est-ce que le réseau neurone que tu apprends, l'apprentissage basé données, comment est-ce qu'il se comporte au regard d'approximations variationnelles qui sont peut-être plus basées sur des modèles et sont peut-être plus contraintes? Est-ce que tu t'es un peu penché sur ces comparaisons et donc ces décorrélations entre les deux étapes? Oui, en fait, il y a j'ai réalisé quatre instants de mon framework. Mm-hmm. On m'a Dowden et on m'a BNN ONKS. BNN ONKS, c'est un modèle d'assimilation classique, c'est ONKS, mais j'ai remplacé le modèle physique par un réseau de neurones, le modèle transition par un réseau de neurones. Et donc, dans le résultat, on voit que Dowden a tendance de donner meilleur résultat sur la reconstruction. La reconstruction et la capacité à garder la topologie à long terme. Et je crois que c'est ça lié à la capacité de capturer la corrélation à long terme de LSTM. D'accord. Ouais. Mm-hmm. Et en considérant des données peut-être un peu plus simples, pour être un petit peu plus pointu sur les analyses, tu es tout de suite parti sur des modèles de Lorentz? D'accord. C'est bien parce que sur ce slide justement tu as introduit d'autres comparaisons qui ne sont pas dans ton manuscrit si je me rappelle bien, et notamment tu compares avec Cindy et Anda.
comment est-ce que tu as appliqué, Cindy? C'est basé sur des représentations parcimonieuses et je crois qu'il y a un dictionnaire à construire. Comment est-ce que tu l'as construit, ce dictionnaire? Dans la dictionnaire de Cindy, il y a tous les composants, tous les vrais fonctions des bases de Lawrence. Et donc, d'accord, le Cindy ici, c'est le meilleur Cindy possible qu'on veut avoir. D'accord. Ouais. Et il est quand même pas très bon. Ouais. des petites questions sur l'implémentation toujours de ce fameux DAODEM. Ouais. Donc, page 59, quand tu mets le pseudocode. Sur le pseudocode. J'avais une question sur la façon dont tu échantillonnes les ZK plus N. ZK plus N. ZK plus N. Oui, je suis désolé, j'ai pas compris la question. Just in the pseudocode. So in algorithm 1, page 59. I had just a question about the way you perform the sampling of the Z K plus N. En fait, j'ai utilisé la paramétrisation. En fait, maintenant, suppose qu'on veut échantillonner une distribution gaussienne avec la moyenne mu et le variant justement, parce que si on fait cet échantillon, on ne peut pas faire backpropagation pour le gradient. Ouais. Et donc, on va échantillonner une variable oscillaire à partir de la distribution gaussienne normalisée 0, 1. Et donc, on va multiplier ça avec le cactif et ajouter la moyenne. D'accord, ok. Ah oui, je pense que je m'étais juste là encore fourvoyée dans le côté marginal ou conditionnel. Non, mais c'est bon. Je pense que je raccroche les wagons. Excuse-moi. Une autre question, et après je vais rendre la parole. Tu t'intéresses dans tes objectifs, dans tes fonctions objectives, tu t'intéresses à une version que tu as qualifiée de déterministe. Et c'est donc l'équation 4.20. Et je me demandais comment est-ce que tu fixais ce lambda, ce fameux lambda